Bonjour à tous et à nouveau sur Civilization 6 avec mes compères. Ça fait ouf, ça va faire un mois qu'on n'a pas joué. Bonsoir au Québec le plus loin, bonsoir Ishkul, mon coéquipier. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Par ce ça temps, peut aller. Ça peut aller. Alors on va faire du Civ dans la joie et on retrouve du coup mon pauvre Cro-Magnon coincé, toujours avec la grande Colombie en guerre. Tu vas bien, Cro? Salutations, oui. Et ouais. Et l'Inérian, le scientifique, le babylonien. Bon bah Lynn, tu t'étales, ça baigne. Ça va. Voilà. Donc on est reparti, il y a des petites guerres et on colonise de nouveaux continents, Richcool. Ça va être sympa aussi. C'est un gameplay du jeu. N'oublie pas que t'es en guerre contre les Incas, toi. Et ouais, justement. Est-ce qu'on a encore des actions à faire? Vous avez passé votre tour, vous? Moi, je suis prêt à passer mon tour. Je suis prêt. Ah bah... Moi aussi, je suis prêt. Au Québec, on est prêt. Ah, j'ai quelques unités et ça va être bien. Avant qu'on commence, j'aurais besoin de toi. Pour? Tu m'indiques les civilisations qui sont citées, surtout au niveau science. Ah bah, l'Inérian. Babylone. Babylone, si tu sais la jouer. Vu qu'elle marche essentiellement par Eureka. Donc en fait. Il y a la Corée. Non, comment elle s'appelle? C'est Ondeok, c'est qui? C'était la Corée? Non, la. Il y a la Corée, il y a la Chine aussi. C'est la Corée, hein, ouais. Je veux les éliminer de mes let's play. De quoi? De mes plays. Ok. Bon ben Babylone et Corée à éliminer, c'est bon, merci. C'est bizarre, moi j'ai les infanteries qui sont un peu bloquées à Chukwito, je peux pas les bouger. À qui tu parles? À moi-même. Ah ok. Bon c'est vrai, j'ai Québec, Drummondville, Montréal. Ah oui, c'est pas avec Lahore. Ça y est, mais si, c'est Lahore. Qui est le suzerain? C'est Lynn qui m'a bloqué. Ah. Mais pourquoi dans le territoire de Chiquito, je peux pas bouger non plus mes troupes? Je ne sais pas. Là, mystère. T'avais sans doute déjà dû bouger tes troupes. Et du coup, elles se retrouvent bloquées l'une sur l'autre. Ouais, elles sont toutes bloquées dans la case en fait. C'est complètement ouf. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Un inquisiteur, bah il fait de l'inquisition. En attendant tes cabots. Comme c'est d'habitude. C'est nos retrouvailles, les gars. Ouais. À cause de toi qu'on perd du temps, tes gars. Eh ouais, c'est ça, c'est tout le temps, il est en train de gérer son empire gigantesque. Ah, mon pauvre Cro-Magnon. Ouais. Pour ça, quand je dis que cette partie-là Elle est démoniaque, hein. On peut la finir. Bon, vas-y, je vais faire quelque chose. Cette nouvelle carte est vraiment géniale. On peut même commencer là où notre position normale, géographique. Eh ben, écoute, j'ai vraiment un bug. Et c'est pas une blague. Je vais quand même pas supprimer une troupe. Ah si, il faut, hein. Il faut. Bah écoute, ça fait suer, mais oui. Ah oui, c'est vrai que mes 50 000 unités, je visite. Oui, c'est une game un peu particulière, on sait. Eh bah écoute, je n'ai pas le choix, je vous ai supprimé toutes mes infanteries. Quoi? Bah elles étaient buggées. C'est-à-dire? Je pouvais pas les bouger, j'avais débarqué près de la ville Inca et je pouvais pas les débarquer, attaquer, déplacer, rien. Si t'avais le côté quand t'as deux unités qui sont au même endroit, il faut que t'en déplaces une. Ouais mais elle voulait pas. Sauf que vu que ces deux unités s'étaient déjà déplacées, il avait plus de points de mouvement pour le faire. Non mais elle refusait d'aller sur les terrains, sur les collines. Ah bah du coup lui il va me défoncer. Oh là là, tu arrives avec un camion de campagne. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ça
c'est pas grave, on va refaire des trous. Ah mais c'est que... D'accord. Comment on va faire? Ah, enfin! C'est pas trop tôt. Enfin... J'ai l'air de me raser. Mais enfin... Mais enfin... Alors, on va voir si on peut racheter des troupes. Non. Non plus. Le nouveau système pour le de barbare. Oui, on l'a découvert. On l'a découvert. Il est sympa comme tout. Hein. J'en ai laissé faire et d'aden des stétos. Bon, on fait le tour des villes. C'est une petite guerre simple. Oh, merde. Ok, on reprend un peu à l'arrache, on verra, tant pis. Alors j'ai un commerçant qui est dispo, il est où lui? Moi je fais toujours du commerce avec toi, Richcool. Ça marche bien. Tant mieux. Oh, les mousquetaires améliorés, ils prennent pas besoin de soufre. C'est génial. Là, j'ai quoi là? Un fanatique. Un petit peu de combat. Ouais, toujours. Ben, contre des barbares, c'est pas intéressant, quoi. Ah, par contre, c'est vrai que je n'ai qu'un écran pour cette session, donc le chrono, faut que je fasse gaffe. Est-ce que je t'apporte le chrono? Ouais, ouais. Tu me diras pour la demi-heure. On a fait 5 minutes, là, déjà, dans la joie. C'est bon, je vais partir le chrono. Merci, je suis cool. Tu veux que je t'avertisse à 25 minutes? Bon, ouais, à peu près, ouais, tu me diras là, le temps qu'il faut, quoi. En tout cas, le Lyonis, il continue sa progression. Ah bah, essaye. Essaye par religion, ouais. Pourquoi pas. Il veut bouffer ton signe céleste. J'ai quoi? Un régiment. Je commence à avoir faim. J'entends bien. Ah attends, je suis pas dans les derniers. Hein. Je nettoie du barbare. Merci. Alors attends, je lui dis tire. Oh.
Putain, ma ville à Canberra, c'est une vraie catin, quoi. Il y a le confucianisme. Ah. Confucianisme, il y a le signe céleste, Ça va, les gars? Ouais, on se régale bien chez toi. Putain. Vachement accueillant, faut dire. Ouais, hein. Par contre, on fait du blé, ça c'est bon. Ok. Encore du salpêtre, ouais. Eh ben écoutez, de mon côté ça va. Barbare en approche éliminée. Est-ce qu'on a des choses à acheter ? Je pensais pouvoir acheter des bâtiments, mais non. Le signe céleste, c'est moi, ça? Ah, c'est bien. Ouais, ouais. Je sais pas, il y en a c'est deux. Pourquoi? Ça dépend duquel tu parles. Il y a le signe céleste, il y a le king céleste, on va dire ça, parce que sinon on va pas savoir duquel on parle. J'ai oublié un peu ma religion, j'avoue. Le Yonis, il se calme par contre chez moi, là. Le Yonis, il va dégager. Hein. On est permis, faut pas que tu acceptes ma religion, non? Non, non. Allez, on sait que les heureux de nous retrouver et d'attendre. Ligne derrière. Vous allez à la corporation à la 4 tours. Mais ouais, on va arriver à des technos, on aura les robots géants, ça va être terrible. Lynn, pourquoi t'as refusé ma popo? Elle était bonne? Bah, elle me sert à rien. Ouais, faut qu'il y ait un intérêt. Ok, alors on va manger une bonne, s'il te plaît. En même temps, elle te sert pas à grand chose non plus, hein. On a un peu de copec. Bon, Lynn, on peut-tu passer le tour? D'accord, je vois qu'il a 14 villes, Lynn, je comprends pourquoi il met du temps. Ah ouais, non, mais. Si tu me piquais pas la suzeraineté, je serais pas en train de réfléchir à comment la récupérer, riche cool. Prochaine fois, je vous le jure, quand je vais vouloir aller sur un petit état, je vais vous le demander. Ça fait combien d'let's play qu'on te le dit? Ben là, c'est où, là, dis là, le mec. Non, mais les riches cool te laissent pas faire parce que tu sais, il dit ça, mais l'autre il m'a piqué. Hein, j'ai toujours le souvenir là de mon truc en religion là qui m'a bien foutu dans la merde. Hein, peut-être. Ouais. Ah oui, oh mais c'est notre histoire. Oui, ça. Oui. Parce que quand Rich Cool nous fait un coup du lapin, on teste des choses quand même, on rigole aussi. Alors je me suis acheté un petit jeu à 5€, j'ai craqué bêtement. Quand je regarde les villes en gros blanc, c'est Townscaper, c'est un jeu où tu cliques, ça fait une route, tu recliques, c'est un plan d'eau. Hein. Ça fait un bâtiment, tu t'amuses à faire une petite ville. C'est un jeu complètement passif. C'est assez rigolo. Et quand je vois la ville de Richkul Tula, ça fait penser un peu à ça. Oh, un chanteur du néant, une relique, oui. Une belle ville, tu l'as. Ouais, c'est joli. Hein. Ah, mais. L'autre, il a pas d'unité militaire, j'avance un peu mes unités, ils m'ont pop 5. Mais sérieux, quoi. Le grand Colombien. Alors, cavalerie légère, lourde, de la dernière série des pressions. Un coup de canon, au revoir l'éclaireur.
Ennemi. Un petit plaisir partout, ça ne fait pas une raison. Alors. Mais pénible le Vénus, quelque part. T'as l'air de le découvrir. Non, mais je l'ai toujours en voisin. Faudrait que je réfléchisse la prochaine fois à y dire Aust. Alors, ici. Non, mais lol, mais invincible son truc. Round! Le Leopard Threadling, ça augmente de 10 la puissance de combat de. De l'unité, c'est pas mal du mousquetaire. Mmh. Tu fais évoluer ton mousquetaire en infanterie de ligne. Bah, je parle de 55 j'ai points de dégâts à 65. J'ai supprimé des régiments, moi, de ligne. Donc. Moi j'ai eu un général unique, formidable. Bon, je vais perdre combien d'unités là, putain. Ça, je peux pas réparer mon cuirassé à vapeur, pourquoi? Parce que t'as pas de charbon. Ah, fais suer. Je suppose. Ouais, non, t'as raison. Ah, quoique. Non, le bug est passé. Je peux y avoir un problème. Évidemment. Et moi, j'ai mon premier Kozak. Quand je regarde la carte, mon gars, on est en guerre contre trois civilisations. Les deux qui restent, on est super fâchés. J'ai l'impression que ça va être la guerre mondiale bientôt. C'est parti pour, hein. C'est assez fun. Puis le grand colombien, j'ai beau lui tuer ses unités, chaque tour il m'en repop. Voilà. Il est chiant, hein. Je suis en train de descendre des unités vers chez toi, mais bon, ça prend un peu de temps. Bah, va falloir commencer par Sparsborough, parce que si tu dois descendre jusqu'au sud, à mon avis... Ah ouais, alors faut que je précise un truc. On va finir la soirée. Hein. Quand Cro-Magnon parle, on entend un truc qui grésille derrière, je lui ai demandé, et tu m'as dit que c'était des grillons. Oui, c'est mes grillons. C'est génial. C'est la nourriture de mes geckos. Mais les grillons, ils mangent quoi, eux? Des pastilles de calcium. Ah, oh, c'est excellent. Ouais, c'est pour donner du calcium au grillon. Au gecko. Et t'as réussi à avoir des bébés geckos, tiens, puisque je suis dedans là. Oh oui. C'est une des seules que j'ai toujours trouvé intéressante. Moi j'en ai déjà eu plein. Hein. Mm. Là j'ai des œufs qui sont en train d'incuber là. T'en fais le commerce? Hein? Tu en fais le commerce? Ouais, je les revends entre guillemets, je les refile au magasin où je vais acheter mes fournitures et en échange j'ai des bons cadeaux. Ah ok. Mais non, je fais pas d'élevage comme ça. C'est pas assez rentable les geckos là que j'ai, ils coûtent pas cher. Dis donc, ça crame chez toi l'Inérian là, Bouddha? Ouais, je sais plus. Attends, là, il attaque pas lui, sérieux? Bon, go. Donc, il faut que j'arrive à casser la première ville et après c'est rare. Est-ce que lui, derrière, va manger tous les Incas ou est-ce que je vais réussir à prendre une ville? C'est la question. Ah, bah, les Incas, je les attaque pas, donc tu dois pouvoir les prendre. Ah, ouais. Et t'avais besoin de prendre Lahore, du coup?
Ah mais j'ai pas fait exprès de prendre l'or. Hein. Non, c'est le hasard complet, je sais. Hein. C'est juste qu'il y a une quête qui s'est déclenchée, ça l'a pris, c'est tout. Ouais, mais je vais reprendre la main dessus. Ce sera plus facile pour traverser les armées. Ouais, franchement, le 5 Céleste commence sérieusement à me causer des problèmes. Ah bah, chez moi, il reste chez moi, le 5 Céleste. Hein. Il est maître à la maison, faut pas déconner. Parce que je vois ton apôtre, hein, quand même, là. Il joue sa vie, là. C'est pas très sérieux. Hein. Bah quoi, faut qu'il étende les tortues. Ah bah, tu vas à droite, tu vas à gauche, hein, mais... Il faut prendre la bédale, bien sûr. Bien sûr. La côte des montagnes est obligé de contourner. Ouais, oui. Tiens, je vais peut-être faire de l'investissement. Vous serez pas là la bonne nouvelle. En même temps. Est-ce qu'on peut faire des achats? Oui. Tu sais que s'il vient chez moi, j'aurais aucun scrupule à le tuer, ton missionnaire. Ah, bah il faut, hein. Oh, on a tellement de choses à acheter là. Allez. Je suis quand même triste pour les. Pardon. Je regarde chez l'Inarian, il y a des mitrailleuses, des marines, il y a des... C'est quand même assez machin. Et puis à côté, il y a des lanciers. Des chasseurs à réaction. Ouais. Des chasseurs à réaction. Mais moi, j'étais encore au... Non, mais quand même. Ah. C'est toi de chuter, ton empire babylonien. Ah bah, c'est un vrai scientifique, hein. Ah oui, c'est cheaté le Babylone. Ah, Babylone, c'est cheaté de ouf. Et puis t'as la roue et tout. Et, mais dans ce cas, on va lui interdire des peuples à l'Inérien prochaine Let's Play, peut-être. Je rappelle que celui-là, je l'ai choisi pour te montrer que c'était cheaté parce que tu m'avais dit que ça c'est l'était vrai. Pas. Si, tu joues mieux que moi plus souvent, c'est vrai. Ah, je fais trop de choses à côté. Là, c'est le plaisir de se marrer ensemble, déjà de souffrir ensemble. Et hop là, tu m'as repop des régiments de canons. Oh là là, il me saoule. De toute façon, si tu veux un prochain let's play, il faut que tu utilises la science et que tu gagnes, l'Inarian. Je sais. Alors. Bah, on bombarde, hein. Ah, bah, tu vois les Kazakhs encore en bas, t'es comment? Hein? Mais quand ils sont prêts au combat, veux-tu les voir? Ah, attends, je fais une bataille navale, je te dis où c'est. Dans quel endroit tes Cosaques, Richkoul? Ils sont à gauche de la ville de Québec. Ancien continent ou nouveau continent? L'ancien et le nouveau. L'ancien et le nouveau. Ah ok, vas-y. Ah, ils ont un chapeau avec une plume. Non, c'est Ah oui, peut-être. On dirait, hein. Ah oh, bah là, pas de pitié. Allez, on va bombarder, nous. Wow, as-tu vu la santé à second? Mon pauvre Decker. Ah, il y a des incendies partout, hein. Ah, c'est ton café qui brûle. Bon, par contre, je vais perdre... C'est embêtant. Je vais pilonner pour rien. Mais c'est une alliance militaire ou économique, t'es qu'un? Oh, putain, pourquoi? Qui c'est qui a découvert le truc et maintenant on a toute la map de la carte, là? Ah bah c'est Lynn, non? T'as fait les satellites? Je sais pas quoi. Bah économique c'est pas mal, hein. C'est possible. Ah bah oui, je vois toute la carte. Ouais. Bah du coup, ouais, il y a sans doute que toi qui la vois et pas les autres. Ok, cool. Bah du coup c'est pratique, on peut voir, putain, il reste un paquet de place quand même sur le deuxième continent. Bah grave, en fait, c'est ça que j'aurais dû me barrer en fait. Ah mais on vous le dit depuis le début, hein. J'aurais dû me tirer, ouais, hein. Bah moi j'avais pas le temps de faire autre chose. J'étais occupé avec le petit... bon, quoi. Bon, je peux faire des centrales à charbon, mais j'ai pas de charbon. C'est triste quand même. Ça fait des tout petits trucs en fait. Des petites villes en fait sur le deuxième continent.
Riche cool, t'es sûr qu'on est en coop? Des fois, je me pose la question. Hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ton forcing de religion chez moi, que je nettoie sans arrêt derrière. Ah, que veux-tu? J'y peux rien, moi. Mon lion est affamé. Ouais, mais tu perds du temps, là. Pendant que tu fais ça, j'évangélise à côté aussi, hein, au loin. Bah, moi aussi. Sinon, Bolivar qui veut faire la paix. Non. Non, 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 non. Si t'arrives à atteindre la côte, tu peux coloniser le nouveau continent, justement. C'est quoi ce feu à seau d'eau, là? Je te disais, il y a un gros feu à seau d'eau. Bah ouais. Éloigne tes unités. Bon, bah, ça va, hein, la ville ne va pas cramer, hein. La même partie de ce matin, j'ai perdu un éclairage dans un feu de près. Après, le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Oh, il y a eu une grosse déclaration de guerre. La Honda qui déclare la guerre en Cro-Magnon. Tech. Ouais. Chaling. Avec quoi on échange un peu de charbon? J'ai pas grand chose pour toi. Je suis même pas encore rendu au charbon. T'as besoin de salpêtre? Non, c'est l'inverse. Je te demande un peu de charbon. Ah oui, non, j'ai pas de charbon. Bah si, t'en as 33. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, oui. Je regarde mes productions. Un paiement financier, ça peut être intéressant. Ok. T'en veux combien? Pour combien? Bah, je peux t'en vendre déjà 30, là, si tu veux. Pour 150 000 dollars. 30. C'est pas mal, ça te dépanne pas mal. T'es très riche ou pas, mon cher? Attends. Très riche, non. 1026. Ouais, allez, 300. Peu, 300, t'as les 30. Allez, je fais un prêt d'amis. Ça te va, ça me semble correct. Ça me va très bien. Puis je vois que Rich Cool m'a envoyé un accord. Alliance économique, Rich Cool, oui. Évidemment. Je te laisse faire l'accord, Linarion. Yep. Ouais, je suis d'accord. Tout le charbon et c'est l'ennemi. Ouais, mais on va finir ce let's play un jour, tu verras. En tout cas, il y a des trucs que j'en ferai pas, que je vais changer. C'est... Ah. Mais il faut du pognon, hein. Ok. Ouais, faut surtout privilégier les quartiers. Ok. Bon, quelqu'un, peux-tu finir? Eh ben, il manque quoi? Passer son tour. Donnez-moi de regarder la barbe pousser. Moi, c'est bon, hein. Ça, c'est les Babyloniens, ils sont trop gros, hein. Ah, les cités sont magnifiques, hein, par contre. Oh là là. Genre, regarde tes troupes se déplacer, Linderian, là, t'es à l'aise. Que moi j'ai. Ah oui, c'est vrai, il y a le 5 céleste, puis il y a le. Le 5 céleste. Oui. Mais il n'y a pas les deux la même. Il y a deux 5 célestes, c'est vrai. Bah. Sauf que là, on ressemble à un papillon. Moi, c'est le 5 céleste, c'est un piaf. Comment ça qu'on peut avoir deux religions différentes avec le même nom? Ah, c'est pas possible. Elles ont pas le même nom. Ouais. C'est pas... Ah, le signe avec un I, puis bien l'autre avec un Y. C'est quoi cette idée?
Le mien au moins est original. Ouais, mais tu l'amènes sur combien d'épisodes aussi, Lyonis, on le connaît par cœur. Bah, c'est celui que j'aime. Il y a encore des endroits sympas. Bon, Lyon, peux-tu penser qu'on peut sûrement jouer un tour, un dernier tour? Déjà? J'y bah, pense. On est à 22 minutes, là. Ah oui, on a le temps, on a le temps. On fait du 30. Ça va. Du 30 large, mon cher Ishkool. Du 30XL qu'on fait. Ouais. Infanterie de ligne, bah on va refaire de l'infanterie de ligne, hein, moi je te le dis. Hein. Je suis au mousquetaire, je suis déjà content. Voilà. Après, il fait de l'optimisation économique, Linarian, tu sais. Je suis surtout en guerre. Ah. Tu bouffes l'égyptienne, là? Non, rien à faire. Ouais, la Norvège, il reste deux villes, je sais pas, vous êtes encore en guerre avec lui? T'es en guerre avec la Norvège. Ok. Non, c'est encore c'est la seule équipe contre laquelle on n'est pas en guerre encore. Et les Incas. Bon, pas Tchakoutek, on est encore en guerre, mais je sais pas pourquoi il maintient la guerre alors que. Ah, lui, il est pénible, ouais. J'avais pas vu, Lynn, que t'es complètement isolé de l'Inca avec les montagnes en fait. La map. Et ça, c'est Apocalypse qui fait ça, je pense. Hein. T'as ces chaînes. Ouais. De quoi? Non. L'Apocalypse monte, hein, les chaînes de montagne. Y a pas autant quand tu prends pas. Ah bon, bah, ouais, l'Inca, il a toujours beaucoup de montagnes normalement à côté de lui. Bah, tu me diras, l'Australie, normalement, il a plein de pâturages aussi. Ouais. Ça marche, l'équilibrage. Ouais. Ouais, ça pour saluer Aline. Babylone. Lahore, former un cuirassier. Former un cuirassier. La statue de la liberté à côté du dieu Zeus, ça va être quelque chose? Qu'est-ce que vous en dites, les copains? C'est toi qui l'as fait? Ben, ça fait partie de mes possibilités. Ah bah, faut prendre, ça fait des points. Hein. Ah. Non, mais quand même, la statue de la liberté à côté du dieu Zeus. Zeus, tu l'as mis où? À Moscou? Ouais. Oh bah oui, fais, c'est ta capitale. J'étais perdu dans les biomes polaires tellement j'ai chaud. Ah ouais, il fait chaud. Ah bah en Bretagne, c'est terrible. Hein. Il faisait 30 dehors, 26 à la maison. 25 minutes, les copains. En même temps, dès qu'ils ont un jour de soleil, les Bretons, ils en peuvent plus, hein, tu me diras. Les Nériens, je te signale que ça fait déjà 25 minutes, donc ça fait 30 minutes au total. Mais tu sais que dans le Finistère Nord, il y a des grandes plages de sable blanc, hein. Sable fin. Non, mais tu sais que je connais très bien la Bretagne, je te taquine parce qu'il fait très beau en Bretagne, c'est super. Mais c'est, on lance une rumeur pour être tranquille toute l'année, en fait. Bah, il pleut que sur les cons, en fait. Voilà, c'est ça. Si ça tombe bien, les cons, ils vont dans le sud. Hop. Les Bretons, je signale que ça fait 25 minutes de 25 minutes. Guerre religieuse. Ouais, non, mais Canberra, c'est une vraie cata, hein, quoi. C'est quoi ce délire? Ah, puis, tu veux du Dionys, en voilà, quoi. Putain, mais j'en peux plus de ce grand Colombien là, il me saoule. Oh là là. La Grande Colombie dénonce la Russie. Non, mais le mec il a 200 de puissance militaire, j'ai 900, j'avais ah bah je suis plus qu'à 700, OK, j'étais à plus de 800 et quelques, je sais pas pourquoi je suis à 700. Et l'autre, j'arrive pas à avancer, et chaque fois il me sort des unités à la con, là. Hein. 26 minutes et 30 secondes. Aïe, 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 alors. Ok, ça c'est bon, et finalement il est pas mort. Oh. Il est pas mort, lui. Incroyable.
T1, elle me veut, elle. Bon. Ah ben, elle me dit que je suis pire que Brutus. Quelqu'un peut me le dire? Un mystère. Je sais pas. Qui a vraiment besoin d'une raison pour ça. Elle est capricieuse. Bon allez, il fera des troupes là. Ouais, le Cosaque contre les canons. Ah, il est puissant le Cosaque. Ouais, écrivain illustre, super. Je suis content. Je t'aime un Quentin. Ok, réserve, superbe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va faire la chasse. J'ai un général encore. Une brigade de religion à Cambéa. Oh, je vais être en âge d'or. Oh mon Dieu. Grâce à l'Inarion. Bien que je serve un peu. Ouais, je crois que c'est quand t'as. Quand t'as découvert la carte mondiale, j'ai eu plein de points, je crois. Déjà, quand tu fais un Eureka, et vu que quand je fais une technologie, ça te fait un Eureka, ça te file des points. Ouais, non, mais il me semble, enfin, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que c'est quand t'as fait le truc, j'ai eu plein de découvertes, plein de merveilles naturelles, plein de trucs comme ça, tu vois. Du coup, je pense que j'ai fait pas mal de points avec ça. En c'est plus, bien. Du reste. C'est bien possible. Ouais, c'est vrai, on est alliés. Il paraît, oui. Pourquoi? Mais parce que je veux aller en masse saphir, mais tes unités religieuses m'en empêchent. Oui, parce que tu te promènes un peu trop chez moi, tu ramènes toujours des religions que je veux pas. On est alliés, ouais, mais je te signale que je veux l'envoyer dans un masse saphir, dans l'autre. Ah. C'est Babylone. Ah. Et dommage, il a entendu. Et mon apôtre qui est près de distance à débat, ben il s'en va. Allez. Pendant 4 tours, je peux avoir un médecin, ça va peut-être m'aider, ça. T'es comment? On va falloir qu'on termine, il fait déjà 31 minutes. Eh ben écoutez, ouais, on va terminer notre gestion là, et puis on va se retrouver au prochain épisode. De toute façon, j'ai fini ma propre gestion. Donc c'est le premier épisode de notre soirée, nos retrouvailles. La guerre avance, lentement. Pour vous aussi, il n'y a pas eu de conquête, les gars, je crois pas. Hein. Ah non, moi je peux pas avancer, en fait. L'autre, à chaque fois, il me pop des unités, il me descend la vie, et puis du coup, bah, je suis obligé de reculer pour me soigner, et pas attaquer, en fait. Ton coéquipier n'a pas assez d'unités pour bombarder et t'aider un peu avec les avions. Non, il est occupé au nord. Ah ouais. Eh ben, je taquine. J'ai pété 2 villes pour l'instant. 2 villes, 2 pétées. Voilà la victoire scientifique. Eh ben, on y arrivera. On verra au prochain épisode. Merci à vous, les gars, et bonne soirée à tous. Salut. Salut.